Faut profiter de chaque moment sur Subnautica. Dis-toi que la première aventure sur Subnautica, moi je tuerais pour revivre les sensations de découverte sur ce jeu, vraiment. Je tuerais pour pouvoir revivre ça. Je mets ma clé là, du coup, hop. Ah non, je lance les jeux de Franklin quand même. C'est une clé verte de toute manière. Tilk, Tilk qui reste pour son 15e mois. Merci énormément, Tilk. Merci pour ton aide pour 70-30. Un grand merci à vous deux. Merci beaucoup, les Tilk. Le 15e mois, nom de Dieu. Merci pour votre soutien. Un grand merci pour votre aide pour 70-30, les amis. J'espère que vous allez bien. Alors, en call, j'ai quoi du coup une chute de Franklin? Oh mince, Caleb! Alors, il a pas rechargé, on est d'accord. Hein. Ah, par contre, je l'ai ramené sur un sur un copain, du coup. Bon, du coup, voilà. Salut, Ender. Tu as combien d'heures de jeu sur DBD? J'ai 3000 heures de jeu sur DBD. Ouais, 3000 heures, peut-être. Enfin, le retour du béret, coucou, feuille de lune! Oh putain. Ah, je crois que ça l'a un petit peu saoulé. À moins qu'il y ait réparateur. Attention, il y a peut-être réparateur. Est-ce qu'il a tapé son générateur là-bas? Non. Ok, il est parti. Là, c'est le temps qu'on lui a fait perdre. Alors, si les deux autres font... Si les deux autres sont en train de réparer des générateurs, normalement, il devrait y avoir deux générateurs qui tombent. Non, un générateur de plus. Un générateur qui est tombé. Ah, ils étaient peut-être tous les deux dessus. Ouais. Il a perdu beaucoup de temps. Alors, attention. On est sur les champs pourris. C'est une map de merde pour Caleb. Attention, c'est une map de merde, t'as pas de visibilité en fait. Dans les champs, tu vois rien, tu peux pas tirer sur les survivants, ça va être très dur pour lui. Ça sort les champs pourris généralement avec les tueurs avec lesquels t'as besoin du coup d'avoir. Genre la Huntress, la Nurse, tous ces tueurs sur les champs pourris ou sur les colonies farm de manière générale, c'est pas simple en vrai. Je trouve vraiment que c'est pas des. C'est pas les maps les plus simples, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Salut Brian, coucou Elliot. Impeccable, en vacances on profite. Ah, c'est trop bien, ça fait trop plaisir. On va s'éloigner un petit peu. Il a pas chute de Franklin, c'est dommage. J'avais parié sur une chute de Franklin, Caleb. Oh mince, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Rocher derrière, cool. Bah, j'avais pas trop le choix là. Sérieux, fais un effort. Ah! Tu vois quand tu veux. J'aurais dû décaler. Je pensais pas qu'il tirerait tout de suite. J'aurais dû décaler, c'est bête ce que j'ai fait. Dommage. Pas l'air simple, hein, dis donc. La vache! Caleb! Salut Flo Flo, tu vas bien? Que penses-tu du costume du poulet sur le clone? C'est trop drôle, c'est trop drôle. J'ai vu ça hier soir, du coup j'étais mort de rire en vrai. Salut Jess Rock! Salut poulet, tu vas bien? Coucou le Mac! Ça va super et Toreda? Salut Livio! Coucou Blue Eden! Coucou ma chère Blue Eden, comment vas-tu? Salut Gwen! Hello ma chère Gwen, dis-moi comment vas-tu? Qu'est-ce que tu racontes de beau Gwen? Déjà 6 mois, ça passe très vite. Merci pour tes super lives qui remontent le moral. Un grand merci à toi, ma chère Gwen. Merci pour ton aide, pour ton sentiment. Merci pour ton 6e mois. Merci pour le soutien. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout se passe bien de ton côté, ma chère Gwen. Un petit soir rapide, on va avoir le temps du coup de boire une petite gorgée de café pendant qu'on se fait soigner. Franchement, je suis un peu déçu là qu'on est tombé que deux générateurs. Ça me fait un peu peur pour la suite de la game. J'ai passé quand même pas mal de temps avec le tueur sur moi là du coup et je vois qu'on a fait qu'on a tombé que deux générateurs. Bon celui-là ça va, il a 50%. Allez, il faut le faire par contre, c'est important de le faire. Vraiment, elle s'est accrochée pour la première fois, on va avancer un petit peu avant d'aller à des hooks. Salut Bogalo. Ah putain, le retour de Caleb. Oh, ce jump qu'il a fait, c'était beau. Ah putain! Bah oui, il peut le tirer dessus. C'est le mec. Le screamer gratuit, tu sais, offert par Varg.
Il a mis surveillance et maltraitance ou quoi? Alors? Alors Caleb, on fait quoi là maintenant hein? Ah il pense que je reste dans la zone. Et voilà, du coup on lui a fait perdre pas mal de temps une fois de plus, ah, c'est cool. Impec. Avec plus qu'un générateur. Nickel, c'est bon. Moi j'ai fait mon taf, j'ai réussi à distraire le tueur pendant une bonne partie de la game. Ouais ouais non je m'en vais, c'était juste pour filer un petit coup de main. Oh putain. Alors je préchote la palette parce que du coup s'il me tire dessus il y a la palette qui me protège. C'est bon il a lâché l'affaire, il est toujours sur moi ou pas? Ah il a lâché l'affaire c'est bon. Oh la suture. Vas-y vas-y, j'ai besoin de toi mon pote, merci. Salut Thiago, salut Paulet. C'est gentil. Salut Rolio. Les copains, ils lâchent pas le générateur, hein, ils veulent le terminer. Hein. Ce t-shirt mérite une game avec la Piggy. Tu veux qu'on affronte la Piggy? T'aimes bien, je trouve. Ouais, j'ai l'impression qu'il veut bien, bah t'as vu. Oh putain. Ah, pour une première game. Ah, c'est une bonne game, là, tu vois, on commence sur une bonne game. Et je suis déçu, il a pas pris chute de Franklin. J'ai pris une clé verte pour déconner, tu vois, juste pour qu'il prenne chute de Franklin. Parce que dans le lobby, en fait, c'est un survivant qui avait une carte. Un survivant qui avait une trousse. Deux survivants qui avaient une trousse et un survivant qui avait une carte. Du coup je me suis dit il va prendre le chute de Franklin en vrai c'est sûr. Ah bah c'est ce que j'aurais fait. Mais non il a pas pris le chute de Franklin, il est pas tranquille. Tac. Caro Noed hein. Il n'y a pas la ruine je crois, du coup il risque d'y avoir Noed à mon avis. Tac on va passer par là discrètement quand même. Est-ce qu'il a mis surveillance et maltraitance à votre avis sur son build là? Je trouve quand même qu'il a un tout petit rayon de terreur hein. Il n'y a pas de 4 mètres de base, avec surveillance et maltraitance ça le fait passer à 16 mètres. Ça serait pas étonnant qu'il ait surveillance et maltraitance. Tu me conseilles quoi comme tueur pour bien commencer? La Piggy pour t'amuser, Freddy pour Freddy pour avoir un kit sympa du coup. TP sur les générateurs donc contrôle map. Et t'as un anti-loop aussi qui est quand même pas mal. Donc soit les fausses palettes ou soit la trappe rêve. Moi je préfère personnellement tu vois la trappe rêve. Je trouve quand même que c'est plus intéressant. Y'a un truc là-bas non? Continue à tourner. Il continue à tourner. Il continue à tourner autour de l'arbre à cochon, c'est incroyable. Ah ce tueur il est ouf. Il est trop drôle. Il est encore en train de faire des tours au niveau de l'arbre à cochon. Je suis en train de rigoler mais il va tellement me tuer, vous allez voir. Il est encore, j'adore. Et un tour de plus du coup pour Caleb. Et un troisième tour de plus pour le père Caleb. Ah va-t-on réussir à sortir? Concentration. Oh putain. Non mais je vais pas réussir à sortir, je vais mourir. Ah mais j'en étais sûr. Mais c'est pas grave, je t'en veux pas Caleb. Après tout je t'en veux pas. Rimku. Rimku qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup Rimku. Un grand merci pour ton abonnement poulet. Merci pour ton aide pour 70-30 ans. Un très grand merci à toi poulet. Pourquoi tu tournes sans cesse autour d'un truc? Courir en ligne droite, c'est inefficace sur ce jeu. Le tueur est plus rapide en déplacement. En fait, il a un fusil. Du coup, quand il me tire dessus, si je fais des droites gauche, je peux esquiver du coup son fusil arcon. C'est pour ça que je fais des droites gauche en permanence. Mais non, il va se sacrifier pour moi. On y va les amis. On y va. Ah.
Non, non, sors pas, sors pas, sors pas. Il faut qu'on le sauve. Je sors pas sans lui. Il m'a sauvé. Ah putain, le temps. Oh, oh la vache, ça va être chaud. Time. Allez, 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 allez. Mais vite, putain. Il est en train de me garder le plus longtemps possible, salaud. Allez. Allez. Oh, putain de merde. Ah, apparemment, je vais pas sortir. Oh, la vache. Putain. Nom de Dieu. Ah, je partais pas sans lui, c'est mort. Non, non, moi je pars pas sans Ace. Il m'a sauvé la vie, je lui ai sauvé la vie avant de partir, obligé quoi. Oh la vache. Ah, la game était bien, franchement elle était bien. Alors il avait vocation, il avait Chili Barbecue, gardant bien pour la fin, surveillant ses maltraitants. Il avait surveillant ses maltraitants, ça. Ouais. Luffy barbelé. Ce qu'il aurait dû faire en fait, c'était pas mouliner. Il aurait dû tirer et attendre le plus longtemps possible en fait. Comme ça il m'aurait gardé avec lui, j'aurais pu. L'entité m'aurait attrapé et m'aurait tué avec le timer. Ouais, la game était grave cool, franchement.